Ton prono pour France-Argentine. Oh la vache, ça commence fort. Allez, je vais dire la France, mais je suis super inquiet. Ow! Le boss de Twitter, c'est Jean-Michel Aulas ou toi? Au nombre de followers, c'est moi. Au nombre de conneries, c'est Jean-Michel. Selon toi, qui sera champion du monde? Le Brésil. C'est l'équipe la plus équilibrée, la plus rationnelle et la plus talentueuse. Foot ou tennis? Foot ou Federer? Je vous dis Federer. Je vais vous faire une confidence. J'ai loupé 20 minutes d'un match de la Coupe du Monde pour regarder le premier tour de Federer à Halle contre Bédéné. C'est vous dire à quel point le mec est atteint quand même. Combien de fois Neymar mangera la pelouse pendant cette Coupe du Monde? Bah, tant qu'il y aura autant de mecs qui lui mettront des coups. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir un joueur comme ça en France, mais on préfère lui chier dessus, c'est tellement plus cool. Que pourrais-tu nous avouer sur Hervé Matou et Marie Portolano que personne ne sait déjà? Bah, qui couchent ensemble, évidemment, tout le monde le sait en plus. Toi, le 12 juillet 98, quand j'ai vu Dugarry pleurer dans les bras de Zizou, bah, j'ai pleuré aussi. Ton crazy sign préféré au Club Med? Même café. L'arbitrage vidéo, pour ou contre, pourquoi? Pour, parce qu'on le voit, hein, ça supprime des erreurs. Après, à un moment donné, c'est quand même l'arbitre qui regarde la vidéo. Donc si le mec, il est incompétent, la vidéo, elle servira à rien. Est-ce qu'on a une chance de voir Thauvin sur le terrain avant la fin de la Coupe du Monde? Au décrassage, oui. Ton top 3 des meilleurs joueurs de foot de tous les temps? Maradona, Pelé, Cruyff. Seras-tu de retour au CFC à la rentrée? Bah écoute, j'ai pas été prévenu que j'avais été viré, donc a priori oui, hein, rendez-vous le 12 août. Pierre, la boîte à questions voudrait te souhaiter un joyeux anniversaire. Oh, c'est trop mignon. Ah ouais, 55 ans les gars, hein. D'où la couleur de cheveux. Happy.